garçon qui a passé plus de 20 ans dans l'arbitrage. Oh, attention Hichimi, Verbosetti, petit extérieur. Hop, 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 ça va passer juste à côté. Et la première occasion, elle est bien pour le stade Lavallois, Malik. Lavalloise, mais ça ne suffit pas en tout cas pour apporter un peu plus le danger. Attention dans le dos de César Zeoula. Saïd Idaza qui a fait la différence là justement devant Cissé, devant César Zeoula, il loupe son pied et à l'ouverture du score ici pour l'US Concarneau. Saïd Idaza, saison historique sur le plan individuel pour lui, mais il libère surtout les Tauniers qui mettent désormais 1-0 sur le terrain bien sûr du stade Lavallois. Sur cette action, pris au dépourvu, et c'est la mi-temps ici au stade Francis Levasseur. Les tangos qui vont même sortir sous les huées. Aboussi, il va les provoquer devant lui. Il est passé devant Nsimba, il va rentrer dans cette surface de réparation. Le centre, la reprise. Oh, le Patrick Hichimi. Le but qui était complètement ouvert. Oh, le bon ballon dans l'intervalle de Dionysa pour Saïd Idaza, l'arrêt à nouveau de Maxime Aubois, celui-ci va coûter cher à nouveau. Et il va faire du bien, surtout au stade Lavallois, il a été déterminant Maxime Aubois tout au long de cette saison, on en parlait en début de retransmission. Guillaume Guécou, s'il est passé, il va servir justement Dionysa. Oh, il s'est bien ramené Idaza, c'est magnifique le poteau. Le poteau pour annihiler cette action. Mais que c'était beau, Malik. Franchement. Ça va être fou au stade des Alpes. Retour avec égalisation ici au stade. Le Francis Levasseur, égalisation du jeune Bridge Ndilou. Un but partout entre Laval et Grenoble. C'est pas Macoussard qui a dû marquer le but, à mon avis. En effet, c'est vrai.